Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 11e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Et donc la dernière fois, nous avions récupéré les bottes de fer auprès de Bodan à Toal qui nous permettront du coup de pouvoir passer les Gorons et donc nous rendre dans leur mine pour les sauver et surtout récupérer le Crystal Dome. C'est un peu notre objectif. En revenant au village, un des enfants s'est fait kidnapper par celui qui avait kidnappé les enfants au départ, qu'on a assez facilement vaincu quand même. Et donc tranquillement, on va maintenant pouvoir poursuivre notre chemin. Alors, juste faire ça pour équiper les bottes. Donc on va équiper les bottes et un peu comme on avait fait quand il nous a pris le sumo. Et à chaque goron comme celui-ci, bah c'est le premier qui nous a fait jarter. Déconcentré. Ah. 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 Ça. Bah, ça m'a fait redescendre. Génial. Thank you.
impérativement mettre les blocs en blanc. Celui-là par contre il va être plus compliqué à passer que l'autre mec. C'est un goron en bonne et due forme. Il anticipera mieux mes déplacements. Ouais, il a tout de suite esquivé. Ah, ouais, il a raté. Ouais, on a réussi. On va être prêt à rentrer à l'intérieur, c'est parti. Voici donc le second donjon de ce jeu, la mine Goron. Voilà qui clôture donc cette vidéo qui aura été plus courte. C'était la vidéo de transition pour aller jusqu'ici. Puisque la prochaine fois, on attaquera ce donjon. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.